Je sais que tu es fidèle, Dieu est fidèle. Oh, que ta fidélité est grande, fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Tu es fidèle. Dieu est fidèle. 3. Dieu est fidèle 3. Dieu est fidèle 3. Avec le frère Cedro Katambay et les archanges. 28 octobre à 16h. Au temple Parole du Salut à 16h. En face de la clinique chinoise à Gombe. L'entrée est libre. Venez très nombreux, nous vous attendons ce 28 octobre. Je t'invite le 28 octobre. Ce 28 octobre 2018. L'entrée est gratuite, alors je t'invite. Venez, nous allons célébrer. Chanter. Dieu est fidèle. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle 3. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes de retour sur le plateau. Nous allons maintenant parler du deuxième son sur votre album. Il s'intitule « Koti Kangate Nazinda ». Donc, la question que je poserai, comme celle que j'ai posée à la première, quel est le message clé dans ce son? Ici, nous sommes en train de penser à une personne comme Pierre. Une personne qui, au début, avait foi, mais sa foi l'a amenée quelque part. La Bible parlant de cette histoire de Jésus-Christ, demandant à l'apôtre Pierre de le rejoindre sur la mer. Pierre s'est dit, ok, je vais y aller, je vais oser. Il dit, maître, puis-je venir? Le maître dit, ok, tu peux venir. Et Pierre commence à marcher sur les eaux. Tout le monde était étonné de le voir marcher sur les eaux, et même lui-même. Peut-être au début, tout le monde pouvait l'acclamer. Mais à un moment donné, il y a eu des tempêtes, il y a eu des vents. Pierre a commencé à avoir peur. Et en ce moment-là, il commence à couler. Il lance un cri. Maître, ne me laisse pas tomber. Tends-moi la main. Alors ici, nous disons à Dieu, Seigneur, tends-nous la main. Tends-moi la main, Seigneur. Dans ma faiblesse, alors qu'il y a des doutes, alors que tout essaye de jouer en ma défaveur, s'il te plaît, tends-moi la main, que je ne perde pas la foi, que je ne lâche pas. Aide-moi à marcher sur les eaux comme toi. Aide-moi à avancer avec cette foi. J'ai cru en toi, j'ai accepté de faire le premier pas, mais regarde maintenant là, les tempêtes s'élèvent. S'il te plaît, je n'y arrive pas, aide-moi. Si tu me laisses, c'est fini pour moi. Alors nous disons à Dieu, tends-moi la main, Seigneur. Personnelle que vous avez écrit ce son, ou l'inspiration vous est venue d'une tierce personne ou du Saint-Esprit lui-même?
je dirais, du Saint-Esprit, lui-même d'abord, et en passant par notre marche chrétienne. Vous savez, la marche chrétienne, notre marche de tous les jours, est remplie d'expériences, est remplie de témoignages. Et dans cette chanson, c'est un parcours d'un chrétien. C'est exactement le message, je pense, qu'il faut donner aux chrétiens. Parce que si je dois donner mon exemple personnel, des fois, vous avez l'impression que quand vous perdez la foi, vous n'êtes pas chrétienne ou je ne suis pas chrétienne, assez chrétienne. Alors quand j'ai entendu ce son, bien sûr que je me suis mise à adorer, je me suis dit « Dieu merci, je suis chrétienne, Dieu merci, je sais que malgré le fait que je perde la foi, tu seras toujours là pour me tendre la main. » Donc je vous dis merci pour ce sang, il m'a fortifiée personnellement et je suis sûre qu'il fortifie beaucoup de personnes qui le suivront et je vous incite tous à suivre cette chanson. Je prie que Dieu le fasse. Père, permets que j'aie assez de foi pour marcher sous les eaux comme toi. Donne-moi assez de force pour arriver là où toi tu m'attends, Père. Koti kangaite nasindae, koti kangaite nasindae, mbonge eleki makasi kolo. Desangata loboko na simba yo, na simba yo. Comment faites-vous, cher frère, pour être inspiré? Comment je fais? Je dirais, je ne fais rien. Tout est grâce. Je bénéficie de la grâce de Dieu. Je me base sur ma marche avec le Saint-Esprit, mon parcours avec Dieu. Je m'appuie sur Dieu et le Saint-Esprit fait le reste. Et est-ce que vous avez un témoignage pour cette chanson? Oh, les témoignages, il y en a tout plein, vous savez. Pour ce son spécifiquement? Pour ce son, alors je commencerai par mon propre témoignage avant de parler des autres. Un jour, quelqu'un est entré dans ma voiture, et d'ailleurs ce n'était pas qu'une seule personne, ce n'était même pas qu'une seule fois. La personne m'a posé la question, mais j'ai l'impression que tu suis beaucoup plus ta musique. J'ai dit non, je prie avec. Au juste, ce qu'on chante, ce n'est pas d'abord pour les autres, même si ça bénit les autres après. C'est d'abord... Ça fortifie d'abord notre propre âme. Quand les psalmistes écrivent, ils écrivaient d'abord pour lui. David écrivait pour qui? À l'époque, il y avait pas la télé. Non, non. C'était sa marche avec Dieu. Vous voyez? Et sa vie, son parcours avec Dieu nous bénit aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu si aujourd'hui, notre parcours peut bénir une ou deux personnes. Amen. C'est sûr que vos sens sont des bénédictions pour beaucoup et pour la gloire de Dieu. Donc, frère Cèdre, est-ce que vous pouvez nous donner l'envie de venir le 28 octobre? Que ferais-je, que dirais-je pour donner l'envie de venir le 28 octobre? Ce qui est sûr, c'est que Dieu sera là. Je pense à un Bartimée. Oui. Si Bartimée était là, il allait tout faire pour être là, parce qu'il sait que le maître sera là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais du moins, il sera là lui-même. Je prie que vous ne puissiez pas manquer, que tu ne puisses pas manquer. Je crois en la présence de Dieu. Cette présence, elle est là, maintenant, ici, sur ce plateau. Elle est là, là où tu es, mais elle sera aussi là et fortement présente. Ce 28 octobre, je le crois. Surtout, ne manque pas. Le reste, que le Saint-Esprit fasse, qu'il s'en occupe. Amen, amen. Je sais que tu es fidèle, Dieu est fidèle. Oh, que ta
fidélité est grande, fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Tu es fidèle. Dieu est fidèle. 3. Dieu est fidèle. 3. Dieu est fidèle. 3. Avec le frère Cédric Katambay et les archanges. 28 octobre à 16h. Au temple Parole du Salut à 16h. En face de la clinique chinoise à Gombe. L'entrée est libre. Venez très nombreux, nous vous attendons. C'est 28 octobre. Je t'invite le 28 octobre. Ce 28 octobre 2018. L'entrée est gratuite, alors je t'invite. Venez, nous allons célébrer. Chanter. Dieu est fidèle. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse abondamment. Bienvenue à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle. 3. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.